Bonjour à tous, c'est Starkiller en 1989. On se retrouve pour un nouveau tuto concernant les magazines de Fallout 4. On va en trouver un ensemble. Donc, premièrement, il va falloir vous rendre à la cabane de Gorski. C'est tout simplement pas très loin de Sanctuary, encore une fois. Donc, Sanctuary se trouve juste ici. La cabane de Gorski se trouve juste ici, pas loin du musée de la liberté et de la ferme des Abernathy. Donc, juste ici, les gars. Cabane de Gorski, donc j'ai déjà terminé, mais j'avais jamais pris le livre, hein, parce que je voulais vous le faire en tuto. Donc voilà, j'espère que vous verrez. Hein, donc Sanctuary, encore une fois, cabane de Gorski, on zoom. Donc voilà. Vous devrez tuer quelques ghouls. Donc il y a un cadavre là, il y a au moins 4 ghouls dehors, une ghoul à l'intérieur. Et ensuite, vous allez voir, donc vous rentrez dans la maison. Et il y a une ghoul ici encore une fois. Vous prenez au pire tous les composants que vous voulez, mais on va se concentrer sur le livre. Donc vous allez dans la cave. Il faut savoir qu'il y a une cave dans la maison. Et il va falloir tuer une personne. Donc il y a une petite surprise. Personnellement, moi je vous conseille d'aller avec quand même une tenue qui vous... comment dire? Qui vous protège des radiations. Donc voilà, c'est vraiment une cave. Il s'est bien mis le type au KLM. Donc on va tout droit, on prend rien du tout. Il y a des munitions là. Vous pouvez les prendre si vous voulez, je vais les prendre hein, quand même. La base. Donc vous vous dirigez jusque dans le fond de la zone. Il y a une porte à ouvrir. Je vous conseille de prendre un Rax. Donc on va le prendre tout de suite. Qui va nous pouvoir. On va pouvoir résister aux radiations. Donc il est. J'en ai. Voilà, donc j'en prends un. Donc résistance de radiation 200 parce qu'il y a beaucoup de radiation à l'intérieur. C'est une tuerie monumentale. Vous ouvrez la porte. Et en fait, je l'avais déjà tué. Donc apparemment, il est mort. Et le livre, vous l'avez vu, il se situe juste à côté du terminal. Donc il y a beaucoup de radiation. Regardez, il y a beaucoup de tonneaux. Je prends plus un à chaque fois. Si j'avais pas mis ça, je me prenais 18 de radiation. Il y a une mine à capsule que vous prenez. Et le guide de survie des terres désolées. Donc c'est un livre de survie. On le prend. Et c'est super utile, les gars. Regardez, Diamond City est maintenant indiqué de façon permanente sur votre carte. Donc ça a l'air vraiment stylé. Je sais pas personnellement comment il est affiché parce que c'est la première fois, c'est la deuxième fois que je vois ce livre. Je l'avais jamais vu auparavant. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous montre encore une fois où c'est. Donc la bande de Gorski, c'est tout à la fin, vraiment à côté du terminal, dans le sous-sol, hein, donc dans la cave. Donc voilà, hop, Sanctuary juste ici, Gorski là. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des idées en commentaire. Hein. De toute façon, elle va être publiée sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour de nombreux tutos à suivre, les potes. Il y en a tellement qui vont arriver. Je suis vraiment motivé. C'était Starkiller 1889, les potes. Peace!